Un petit étirement que j'aime bien faire pour retour au calme qui travaille les étirements. Adducteurs, ischio-jambiers et dos. Je pars ici, jambes écartées. Je peux prendre un step pour libérer le bassin. Un step ou des lifts qui va surélever les fesses, qui va libérer le bassin, rendre l'exercice plus facile. D'accord? Je vous montre la version un peu raide ici. Jambes écartées. D'accord? Pas très écartées. Ok? Là, je pivote pour mettre mon coude vers le genou, coude droit, coude gauche vers genou gauche. Si je suis à l'aise, je descends le coude gauche ou la main gauche vers le sol. D'accord? Je descends plus ou moins pour mettre l'épaule gauche vers le genou gauche. Ok? J'y vais selon ma souplesse. D'accord? Il n'y a pas de douleur. Ici, donc j'écarte un petit peu les jambes pour sentir un petit peu les adducteurs, mais il n'y a rien de douloureux. D'accord? Sur une échelle de 1 à 10, je dois être à 4. Quoi. Je dois pouvoir respirer de façon détendue. Je descends ici. Là, le bras droit, je le mets dans l'alignement de la tête, l'oreille, et je vais chercher à tirer sur le côté. D'accord? Ça va étirer tout le côté ici. D'un côté, hop, ici, je descends plus ou moins bas. Là, d'accord? Si je ne suis pas très à l'aise, je peux mettre la main au sol ici. Ok? Là, ensuite, les ischio-jambiers, je pivote, le corps droit ici, main au sol, pour pas travailler, pour pas forcer sur les lombaires, et je descends plus ou moins bas. D'un côté, ici, hop, de l'autre, puis au sol, ici, main au sol, ok? Je suis plus souple, c'est la même chose, on écarte plus les jambes, et pareil, je descends plus ou moins bas, ici, d'un côté, toujours détendu, hop, là, je le détends, corps droit, je descends bas, ok? Main au sol, d'accord? D'un côté, ici, hop, de l'autre, et au sol, ici, d'accord? Faites le même plus lentement que ça. Je monte de façon dynamique. Normalement, on maintient 5 à 10 secondes chaque posture. Ok? Et quand je reviens, je ramène les jambes tranquillement. Je reviens en douceur. Ok? Allez, à vous d'essayer ça.